Bonjour à tous. Nous allons avoir aujourd'hui le plaisir de voyager, de nous rendre en Eretz Israël, sur la terre d'Israël, en compagnie de Linda Bortoletto. Bonjour Linda, merci Bonjour. D'être à nos côtés à nouveau. J'ai le plaisir de vous recevoir pour une seconde fois dans notre émission à l'origine Bereshit. Vous avez été dans l'armée de l'air. Vous avez ensuite été capitaine de gendarmerie. Vous avez été haut fonctionnaire. Et un jour, vous avez pris la décision de laisser tout ça derrière vous et d'aller à l'aventure, à la découverte finalement, non pas du monde, mais je dirais à la découverte de vous-même. Tout d'abord, je voudrais que vous puissiez nous expliquer comment est-ce que l'on peut, dans son existence, prendre la décision, alors que tout avait l'air bien rangé, de tourner la page et d'aller justement se jeter à la découverte du monde. Ce besoin de partir, me découvrir, de me lancer dans cette quête, en fait, je l'ai ressenti au jour de la mort de mon père. J'étais dans cette carrière cadrée, normée, j'avais tout le confort d'une vie bien installée. Et le jour où mon père meurt, je suis confrontée à la vie, à ma vie. Et je me rends compte que la vie que je vis, c'est la vie d'une autre. Je me rends compte que je m'étais complètement aliénée et que cette femme qui était dans cette carrière, dans cette réussite sociale, c'était très bien, mais ce n'était pas moi. Et c'est à partir de là où j'ai décidé de me découvrir. C'est à partir de là où je me suis posé cette question, qui suis-je ? Et je pense que c'est à partir du moment où on se pose cette question que la quête commence. Cette quête intérieure, cette quête d'identité et derrière une quête spirituelle. Et c'est ce qui m'a amenée à vouloir découvrir des régions du monde complètement isolées, comme la Sibérie, l'Alaska, parce que à la base, ce qui m'a conduit à faire ce choix de carrière dans l'armée, c'est un désir de voyage, un désir d'aventure. Sauf que voilà, c'était loin d'être ce que je m'étais imaginé à l'époque. Et donc, quand mon père meurt, en fait, le message qu'il me transmet, c'est « Vis ta vie, libère-toi de ces cadres et trouve qui tu es ». Et finalement, donc, je reviens à mes premiers rêves et donc ces rêves d'aventure. Et donc, c'est ce que je fais depuis 8 ans. Donc, j'explore ces régions isolées. Je vais partir aussi à la découverte de différentes traditions spirituelles. Et derrière ça, en fait, à chaque fois que je découvre ces régions du monde, d'autres cultures, j'en découvre davantage sur moi. Alors, effectivement, vous parlez de la Sibérie, mais le cœur de notre émission aujourd'hui, c'est vers la terre d'Israël. Pourquoi ce voyage en Israël ? Est-ce que vous allez pouvoir découvrir en Israël que vous n'aviez pas déjà vu en Sibérie ou à l'autre bout du monde ? Alors Israël, l'histoire d'Israël, ça a été vraiment un appel intérieur. C'est-à-dire que avant d'en arriver à Israël, donc j'étais partie pendant un moment dans l'Himalaya, j'ai vécu 1 an avec des nonnes bouddhistes dans un monastère à 4000 mètres d'altitude dans l'Himalaya, et donc depuis ce temps-là, je pratique énormément la méditation. Et un matin, donc là, j'étais rentrée en France alors que j'étais lancée dans des programmes de formation, de conférences, donc je fais ma méditation matinale. Et là, j'ai eu une vision et j'ai ressenti un appel qui a orienté mon regard vers Israël. Et sur le coup, ça m'a surpris parce que justement, jusqu'alors, j'avais été vraiment très attirée par les immensités, la nature sauvage, des peuples qui vivent de manière très isolée. Et la première question qui m'est venue à l'esprit quand je ressens cet appel, c'est pourquoi Israël, un pays qui n'est pas plus grand que la Bretagne, où je n'avais jamais imaginé poser les pieds. Et ceci étant, comme justement à travers mon expérience de voyage, j'ai appris non pas à écouter mon mental, mais à écouter mon intuition, à écouter ma joie, ma joie me poussait vers là-bas. Et donc j'ai arrêté tout ce que j'étais en train de faire et je suis partie découvrir Israël. Alors vous allez entreprendre ce qu'on appelle en hébreu le Shvil Israël, le chemin d'Israël, que l'on appelle également le Shvil, le chemin des anges. Et nous allons essayer de comprendre comment est-ce que vous avez entendu parler de ce chemin qui finalement n'est pas tellement connu au sein des différents groupes de voyage. Oui, c'est ce qui m'a tout de suite interpellée quand j'ai commencé à faire des recherches sur les moyens de découvrir cette terre. Alors naturellement, moi j'aime découvrir une région à travers le prisme de la nature et notamment en marchant pour ressentir l'énergie des lieux. Et donc, en faisant des recherches, j'ai trouvé l'existence de ce chemin
que je ne connaissais pas, mais enfin, dont je ne me souvenais pas l'existence. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à Israël, je me suis remémoré une rencontre qui a eu lieu 3 ans auparavant, où justement j'étais dans l'Himalaya, dans une chambre d'hôte. Et justement, il y avait 3 Israéliens qui étaient là, donc on partageait un repas ensemble, et qui à l'époque m'avaient parlé de leur pays. Et ils m'avaient dit, mais toi qui aimes marcher, toi qui aimes la nature, tu devrais découvrir notre pays à travers ce chemin qu'on appelle le chemin des anges, qui est un grand chemin de randonnée de plus de 1000 km. Sauf que ce souvenir, je l'avais complètement occulté, je l'avais complètement oublié. Et au moment où je commence à faire mes recherches sur Israël, il me revient. Et je me dis, mais voilà, c'est ce que je dois faire. Je dois non seulement me rendre sur cette terre, et je vais marcher à travers cette terre, à travers ce chemin, le long de ce chemin. Alors je vous propose de découvrir quelques extraits du documentaire de Steve Suissa sur le chemin des anges qui traverse Israël du nord au sud. Vivre sa vie, c'est rêver grand. Mais de quoi ? De trouver la paix ? De savoir qui l'on est ? Quand Linda Bortoletto a perdu son père, elle a tout remis en question. Son travail, son couple, sa raison d'être. Sa vie était réglée comme du papier à musique. Elle était officier de l'armée française. Jusqu'au jour où elle décide de tout quitter pour partir à la découverte du monde. Dans l'Himalaya, elle rencontre des Israéliens qui lui parlent d'un chemin de randonnée qui traverse leur pays du nord au sud. 1000 kilomètres. 1000 kilomètres de marche sur un territoire de seulement 500 kilomètres de long. Cela lui semble étrange. Elle part à la découverte d'Israël. 2 mois de sa vie consacrés à la nature et à la diversité de ce si petit pays au cœur du Moyen-Orient. Face au désert, à la mer, aux montagnes, un lieu pour renaître, une terre millénaire, un phare dans la nuit pour les égarer. Cette marche, c'est aussi une histoire de rencontre. Tout au long du chemin, des hommes et des femmes accueillent des randonneurs pour un repas ou pour une nuit. On les appelle les anges. Autant de visages, de parcours de vie, de paysages, qui font de ce sentier l'un des plus beaux chemins de randonnée au monde. Et son nom en dit long. C'est le chemin des anges. Le Shvil Israël. Marcher, c'est retrouver son instinct primitif, son équilibre mental et physique. Sans autre recours que ses jambes et sa tête. Sans autre moteur que celui du cœur.
Pour Linda, la première étape du chemin est symbolique. Comme elle, ces oiseaux migrateurs sont en quête de renouveau. Dans le nord du pays, c'est un cantique de couleurs, de sons. Il y a des hérons, des grues cendrées, des cigognes. La vallée de la Houla est l'une des 190 réserves naturelles d'Israël. Ces réserves couvrent à elles seules un quart du territoire. Chaque année, plus de 550 espèces d'oiseaux font halte dans ces marécages avant de rejoindre l'Afrique. Quand ils reviennent pour quelques jours ou quelques heures, le temps semble s'arrêter. Le premier jour de marche s'achève. Linda a parcouru 20 km. Si elle veut atteindre son but, elle doit garder ce rythme. Chaque jour, tous les jours. Après ces images magnifiques, nous en arrivons dans la ville que nous appelons la ville bleue. La ville de Tzfat. Nous prenons de la hauteur, d'un point de vue physique, concret, mais aussi spirituel, puisque c'est la ville de la Kabbale, la ville de la mystique juive. Qu'est-ce que vous avez pu ressentir dans la ville de Tzfat ? Alors, mon arrivée à Tzfat, elle a été extraordinaire, parce que je connaissais pas du tout cette ville. Et quand je pars en voyage, j'emporte toujours avec moi un livre qui m'inspire, que je découvre dans une librairie. Et cette fois-ci, en fait, j'étais tombée sur un livre qui s'appelle « Le Kabbaliste », donc qui explique les bases de la Kabbale. Et juste avant d'arriver à Tzfat, donc j'étais sur les pentes du mont Méron, qui surplombe la ville de Tzfat. Je me pose, je faisais une petite pause à l'ombre d'un arbre, et j'ouvre ce livre par hasard, qui me parle de devenir, en fait, qui nous dit « Ayez à chair, ayez, je serai ce que je serai ». Et donc, je pars avec ça sur les pentes, enfin avec cette pensée sur les pentes du mont Méron, et je me pose la question de où est-ce que je vais dormir cette nuit. Et donc, je commence, en fait, il y a une liste des anges du chemin, en fait, qui sont ces personnes qui peuvent nous accueillir le temps d'une nuit lorsqu'on entreprend de parcourir ce chemin. J'appelle les différentes personnes qui étaient aux alentours de l'endroit où je me trouvais, notamment à Méron. Et il n'y a personne, en fait, qui pouvait m'accueillir. Donc, je me dis, c'est pas grave, je vais faire du stop et je verrai bien où ça va me conduire. Et donc, je me pose au bord de la route. Une voiture s'arrête au bout de 3 minutes. Et là, le couple qui me prend en stop me dit « Nous, on va à Tzfat, si tu veux, on te dépose à Tzfat ». Et en fait, ça a été extraordinaire parce que j'arrive à Tzfat, je découvre que Tzfat est la ville de la Kabbale et je venais juste d'ouvrir ce livre pour la première fois de mon voyage, ce livre sur la Kabbale. Et c'est à partir de là, je dirais que la magie de ce voyage a vraiment commencé, où ces différents éléments, tout d'un coup, se synchronisent, en fait, ces sortes de coïncidences qui prennent sens. Et quand j'ai posé les pieds à Tzfat, en plus, on est sur les hauteurs, donc on voit le mont Méron au loin, et j'arrive au crépuscule, et donc il y avait ces couleurs flamboyantes dans le ciel, ces couches orange, rouge, et ces nuages où toutes ces lumières se reflétaient. Et tout d'un coup, j'avais plus l'impression de marcher, j'avais l'impression vraiment de voler, cette impression très aérienne, qui est d'ailleurs le symbole de la ville de Tzfat. Exact, puisque vous savez que dans la tradition juive, il existe en Israël 4 villes que l'on appelle des villes sacrées, des villes saintes. Il y a la ville de Jérusalem, bien évidemment, mais pas simplement. Il y a la ville de Hebron, la ville de Tibériade et la ville de Tzfat. Et chacune de ces villes vient porter un symbole particulier, les 4 symboles de la création. La ville de Tzfat, c'est l'air, comme vous venez de le rappeler. La ville de Hebron, c'est la terre, puisqu'il y a eu l'acquisition de, vous savez, la parcelle de terre où on a enterré les patriarches. La ville de Jérusalem, c'est bien évidemment le feu, l'intensité du lien avec Dieu, avec le Créateur. Et la ville de Tibériade, c'est l'eau. Donc, Tzfat, c'est l'air. Est-ce qu'on ressent cela, comme vous le dites ? Je l'ai ressenti instantanément, c'est-à-dire que
Je me souviens encore donc, quand ce couple me dépose au bord de la vieille ville de Tzfat, tout de suite je suis guidée par la lumière du crépuscule, donc je vais à travers les petites ruelles de Tzfat et je me retrouve en surplomb de la vallée avec ce mont Méron face à moi. Et voilà, il y a cette impression de légèreté où à un moment on n'est plus du tout dans le mental, où l'esprit se libère et on respire. Et quand on touche à ça, c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'aime la marche, c'est qu'à un moment en fait on touche à cet espace de liberté. On n'est plus du tout en train de penser, de ressasser le pourquoi on a décidé de venir à un endroit. On est juste dans l'instant et on touche à la magie du moment présent. On est juste en train d'être justement. Lorsque dans la Bible, Dieu s'adresse à Abraham, la première fois de son histoire, il lui dit « Lech Lecha ». Pars pour toi, va à la découverte de toi-même. Et lorsqu'il arrive en Israël, le texte nous dit qu'il a parcouru l'ensemble du territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, justement pour découvrir à travers chaque étape de son voyage eh bien, une nouvelle parcelle de son identité. Est-ce que vous êtes aussi dans l'inscription de cette découverte finalement de vous-même ? Complètement, et c'est ce qu'on nomme la quête, aller chercher qui l'on est. Et je trouve que le voyage est infiniment riche pour ça, parce que quand on voyage, on va rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes. Et pour moi, chaque personne devient un reflet d'une parcelle de ce que je suis. Et du coup, me donne des réponses par rapport à ce que je porte, par rapport à mon identité, par rapport à ma propre culture, par rapport à mes croyances. Mais ça permet aussi de se libérer de choses qu'on croyait vraies et d'aller vers une autre vérité. Ça permet en fait de se remettre en question de façon perpétuelle. Et pour revenir en fait au chevil, au chemin des anges, ce qui a été très fort en Israël, c'est que justement, contrairement aux autres régions que j'ai parcourues, qui étaient des régions particulièrement isolées, où donc finalement je croisais peu de personnes, en Israël, comme c'est un pays assez petit, en fait on croise régulièrement des personnes. Et donc ces miroirs incarnés par les rencontres que je faisais, ils ont été très nombreux en Israël, parce que tous les jours, alors sauf évidemment dans le désert où c'est beaucoup plus, c'est une marche beaucoup plus solitaire, mais on va dire dans cette première partie, le premier mois de marche en Israël, je rencontrais une personne différente chaque jour. Et ça a été très riche parce que je croisais des personnes de différents milieux, des personnes qui étaient croyantes ou non, de différentes religions, de différentes cultures. Et en fait, à chaque fois, ça me renvoyait à ma propre diversité. Et en fait, il y a une particularité qui a émergé en Israël, une question qui a émergé en Israël, qui était ma propre diversité au plan culturel et au plan religieux. Et finalement, je me suis rendu compte que là-bas, c'était pas un problème, au contraire, c'était une richesse parce qu'il y avait cette diversité et ces gens de différents horizons, de différentes cultures, de différentes régions géographiques qui tout d'un coup sont réunis au même endroit et vivent ensemble. Et bien, c'est ça la plus belle richesse de ce qu'on peut être et la richesse de notre monde. C'est cette diversité qui se passe dans une grande sérénité et dans une grande joie de vivre en plus. C'est ce qu'on apprend en Israël. Remettons notre sac à dos et continuons notre visite de la terre d'Israël à travers ce documentaire « Le chemin des anges » par Steve Suissa. Kel a 27 ans. Depuis 3 ans, elle accueille les randonneurs. Elle est ce que l'on appelle une Sabra, une enfant née en Israël. De par ses racines, elle incarne parfaitement le métissage du pays. Près de 3 millions d'immigrés venant des 5 continents se sont installés en Israël depuis sa création en 1948. Dis-moi, j'ai une question. Tu viens d'où, toi ? Je suis un mélange. Ma mère est de Tunisie et d'Algérie, et mon père est d'Irak et de Macédoine.
Alors, apparemment, plein de gens ici sont... Oui, de plein de pays différents. J'ai des amis qui viennent de Pologne, de Russie, d'Éthiopie, du Yémen ou encore du Maroc. Tout le monde est très métissé ici. Et c'est génial. On rencontre toutes sortes de gens avec des histoires différentes. Et chacun représente une partie du monde. Pour moi, c'est super intéressant parce que je suis aussi métisse. Mon père est à moitié français, italien. Ma mère vient d'Indonésie et ici, je me sens comme chez moi. Parce que comme moi, tous les gens ont au moins 3 ou 4 origines différentes. Ça doit être très enrichissant, non ? Tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens, que ce soit nos grands-parents ou nos parents, qui vivent ici depuis longtemps. Ce sont tous des immigrés et c'est une vraie chance. C'est vraiment chouette. Je commence à comprendre ce qui me touche ici. C'est un peu comme si cette terre me reflétait. Cette marche est mon miroir. La prochaine étape, c'est la rencontre avec un autre ange, à l'autre bout du lac de Tibériade. Les berges du lac regorgent d'espèces inattendues, comme les damanes. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces petits mammifères sont les plus proches cousins terrestres de l'éléphant. Ils sont même cités dans la Bible parmi les animaux impropres à la consommation, selon les lois juives. Mickey a 60 ans. Depuis 2004, il a reçu des milliers de randonneurs venus du monde entier. Avec eux, il partage l'histoire de ses parents. Des juifs ashkénazes qui se sont rencontrés dans un camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont survécu 3 ans dans les camps. Mon père était médecin et il s'occupait des juifs à l'hôpital. Les Allemands ne voulaient pas attraper de maladie. Alors mon père avait une utilité et il travaillait là-bas. Et ma mère était très forte en polonais et en allemand. Alors elle est devenue traductrice. Ils étaient donc importants pour les Allemands. Et c'est pour ça qu'ils ne les ont pas tués. Mais mon père était amoureux de la sœur de ma mère, qui n'a pas survécu. Après la guerre, ils ont décidé de faire leur vie ensemble. Et ils se sont mariés. Après avoir survécu à l'horreur, ses parents s'installent en Israël en 1955. Ils décident alors d'aider les premiers migrants en leur proposant le gîte et le couvert. Par la suite, la mère de Mickey a perpétué cette tradition de l'accueil en recevant des touristes venus visiter le pays et sans jamais faire de distinction. Mes parents ont toujours accueilli des gens, même des Allemands, parce que ma mère adorait la culture allemande. Elle disait, les nazis, c'est une chose, mais la culture allemande, elle est magnifique. Elle n'a jamais refusé de recevoir des Allemands de toute sa vie. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 102 ans. Elle a eu 2 enfants, 7 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Un jour, pendant une fête de famille, elle m'a dit, c'est ça, ma réponse aux nazis. C'est le fait d'avoir une famille si nombreuse aujourd'hui. Ce devoir de mémoire et cette tradition de l'accueil, Mickey a décidé de la perpétuer en souvenir de ses parents. Ce que mes parents m'ont transmis, c'est d'apprécier la vie à sa juste valeur. Car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors il y a environ 15 ans, mon fils avec ses amis ont fait le chemin des anges. Et bien sûr, ils ont été accueillis ici. Et par la suite, ils en ont parlé à leurs amis. La rumeur s'est répandue dans tout Israël. Et très rapidement, j'ai reçu des dizaines d'appels de randonneurs. Ils cherchaient tous un lit. J'ai accepté.
Et c'est toujours un plaisir de recevoir des gens ici. La richesse des rencontres. À travers un pays si petit qu'Israël, vous allez voir des personnalités particulièrement différentes. La personnalité de Mickey est aussi très attrayante dans sa présentation, dans ce reportage. Puisque nous voyons un homme qui est issu d'une relation, d'une découverte, d'un couple qui a pu se former pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont connus pendant la Shoah, dans les camps de la mort. Et ils ont décidé de faire leur vie ensemble et de s'installer en Israël. Mickey veut absolument s'inscrire dans ce qu'étaient ses parents, dans cet ordre de transmission. Comment est-ce que cette rencontre s'est produite entre vous et Mickey ? Alors Mickey, c'est une des plus belles rencontres que j'ai faites sur le chemin. Et Mickey est d'ailleurs devenu un ami depuis. Et le premier contact que j'ai eu, c'est tout simplement, il était sur la liste des anges du chemin. Et donc spontanément, il m'a dit, mais bien sûr, tu es la bienvenue chez moi. Et donc il vit à Kinneret, donc sur les hauteurs qui surplombent le lac de Tibériade. Et tout de suite, il m'a raconté spontanément son histoire, donc une histoire qui est lourde, mais avec une telle sérénité et avec un tel amour de la vie. Et Mickey, je pense que c'est le plus beau message qu'il m'a transmis, c'est cet amour de la vie qui passe aussi par l'acceptation de ce que ses parents ont pu connaître, de ce lourd passé qui lui a été transmis, évidemment, l'acceptation de cette histoire, mais également le pardon à l'autre, le pardon à soi. Et ce pardon, en fait, c'est juste la plus belle représentation de ce qu'on appelle l'amour. Il ne peut pas y avoir d'amour sans pardon. Il ne peut pas y avoir d'amour de soi ni d'amour de l'autre sans pardon. Et c'est ce que m'a transmis Mickey. Ce qui est incroyable, c'est qu'il le dit dans le documentaire, que ses parents lui ont demandé justement d'accueillir tout le monde et avoir cette force de résilience, alors qu'ils ont subi le refus de l'existence de l'autre tout au long de cette période si douloureuse de la Shoah. Eh bien, le message qu'ils veulent transmettre à leur descendance, c'est justement de prendre le contre-pied de tout cela et d'accueillir les étrangers, par définition, des inconnus, qui vont rentrer chez eux et de les accueillir, de leur donner, de les aider et de les accompagner. Oui, c'est exactement sa démarche. C'est ce que Mickey me disait quand je lui posais la question « Pourquoi tu as décidé d'accueillir les Shvilistim, donc les randonneurs le long du Shvil ?» Il me dit « Mais moi, toutes ces personnes qui viennent chez moi me font voyager et toutes ces personnes me montrent justement la richesse de leur monde et la richesse du monde derrière. » Et donc, pour lui, donc c'est une façon de voyager et c'est une façon de s'ouvrir à l'autre. Et c'est une façon aussi de partager la bonté, son amour et son amour de la vie. Parce que quand les portes de Mickey s'ouvrent, c'est tout simplement cette joie de vivre qu'il a, ce regard très, très optimiste et très joyeux qu'il a sur la vie, et cet amour de l'autre. Et c'est ça l'accueil, la bienveillance, la compréhension de l'autre, l'acceptation de ce qu'il est, avec les ressemblances, mais également avec les différences. On a souvent le prisme de la lecture de tout ce qui se passe en Israël à travers la presse, les médias. Et effectivement, ce qui est mis en évidence est rarement la diversité de la population, l'ouverture de la population. On s'intéresse très peu, finalement, à la population israélienne. Qu'est-ce que vous découvrez exactement au niveau de la population, non pas d'un point de vue politique, mais tout simplement d'une terre dans laquelle il y a des histoires tellement variées et tellement riches, les unes plus riches que les autres? Ce que je découvre en Israël, justement, avec toutes ces nombreuses rencontres que j'ai faites le long du chemin, c'est pas un Israélien, une Israélienne, c'est des êtres humains avec leur passé, avec leur histoire, mais aussi avec leurs désirs, avec leurs rêves. Et c'est ce qui fait que, quel que soit l'endroit où on vit sur notre terre, on est profondément les mêmes. On a des désirs, on a des rêves, on a aussi des douleurs, on a des souffrances, on peut avoir des regrets. Et en Israël, c'est d'autant plus fort que justement, il y a toutes ces personnes qui viennent de milieux différents, de croyances différentes, qui finalement vivent
les unes à côté des autres, se parlent au quotidien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, travaillent ensemble, jouent ensemble, dansent ensemble, chantent ensemble, vivent ensemble. Et c'est simplement humain. C'est simplement humain. Et c'est une profonde humanité que j'ai ressentie là-bas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Continuons notre voyage. Nous étions dans le nord, Tzfat, Tibériade. Eh bien, nous allons maintenant passer petit à petit dans le sud, jusqu'à la mer Morte. Je marche depuis plus d'un mois et j'atteins le désert du Négev. Une longue traversée m'attend, seule, dans un autre monde. Je m'attendais à un paysage aride, mais ici, les Israéliens en ont fait une terre fertile. Les fleurs jouent avec le soleil, et moi, avec elles. Le désert est plein de secrets. En Gedi est la plus grande oasis d'Israël. Elle est située à quelques kilomètres de la mer Morte. Et c'est aussi une réserve naturelle. Inhabitée pendant 500 ans, un kibboutz s'y est installé en 1956. Ce qui a permis de développer le tourisme dans la région. La mer Morte est l'endroit le plus bas du monde, à 400 mètres en dessous du niveau de la mer. La salinité de ce lac rend toute vie impossible. Nous voilà sur les rives de la mer Morte. Qu'est-ce que l'on peut découvrir dans un endroit qui est le plus bas du globe? L'endroit le plus bas du globe dans lequel il n'y a aucune vie. Qu'est-ce que l'on peut découvrir sur sa propre identité dans cet endroit? Alors quand j'arrive à la mer Morte, j'ai marché à peu près déjà pendant un mois. Donc la moitié du chevil, à peu près je crois 500 km. Et donc je suis extrêmement fatiguée, j'ai des douleurs, j'ai des égratignures. Enfin voilà, ça c'est... ce que porte le marcheur, le pèlerin. Et instantanément, j'ai eu envie de plonger dans la mer Morte. Et la sensation que j'ai eue donc, quand je suis allée dans la mer Morte, en fait, donc on flotte, hein, ce qui est lié au pourcentage de sel dans l'eau, mais au-delà de ce phénomène purement physique, j'ai eu vraiment cette sensation de me régénérer. C'est-à-dire que... Bien sûr, il y a cette sensation de légèreté, mais j'étais dans cette eau ou sur cette eau, ça dépend comment on peut l'interpréter. Donc le regard plongé dans les cieux qui était d'un bleu pur, sans un nuage, et tout d'un coup, j'avais plus l'impression de faire de différence entre la terre et le ciel. J'avais cette impression d'union entre le tout et moi au milieu de ce tout. Et justement, quand je parle beaucoup de ce rapport à la vie. Qui a été le début, en fait, de ma quête, cette prise de conscience de la vie, du caractère précieux et éphémère de la vie, eh bien là, en fait, tout d'un coup, on lâche prise.
on lâche prise à la vie. Et je pense que le meilleur moyen de ressentir la vie, c'est de s'abandonner à la vie, de s'abandonner à vivre. Et c'est ce que je ressens exactement quand j'arrive au bord de la mer morte et quand je plonge dans la mer morte. Et c'est vrai que c'est contradictoire, parce que comme vous le dites, il n'y a pas de vie à cause justement du fort taux de sel autour de la mer morte. Et pour autant, on se sent pleinement en vie. Et ça, quand on a cette sensation, mais c'est extraordinaire. Il n'existe rien de plus subjectif que le temps qui passe. Est-ce que lorsque l'on est comme ça sur les rives de la mer morte, est-ce que le temps a un sens différent que celui que l'on peut connaître dans nos sociétés modernes ? Lorsqu'on arrive dans des lieux comme la mer morte ou comme dans le désert, hein, ça va être la suite du chemin, en fait, le temps s'efface. Le temps s'efface qu'il y a une sorte, il y a une forme de densité qu'on ressent d'autant plus lorsqu'on marche. Parce que, et c'est pour ça que j'aime la marche, c'est que quand je marche, en fait, je suis vraiment en relation avec mon corps, avec mon souffle. Je me connecte avec la terre et en me connectant avec la terre, je ressens l'énergie des lieux. Et donc, le temps s'efface au profit de l'espace. Et c'est à partir de là où on laisse la terre, l'espace nous parler, nous transmettre des messages. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que le désert est un haut lieu de révélation, parce qu'on est face à l'immensité de l'espace et donc le temps n'existe plus. La perception qu'on a du temps disparaît complètement. Et donc on est seul face à soi, seul face à cet espace et on reçoit en fait. On n'est même plus dans les pensées, parce que tout d'un coup justement, les pensées qui peuvent s'enchaîner de façon incessante dans une vie quotidienne, et bien quand on est en marche, quand on est dans le désert ou comme on peut être sur le bord de la mer morte, en fait les pensées elles se font de plus en plus rares, de plus en plus lentes. L'instant redevient instant, en fait on retrouve la valeur de l'instant et tout d'un coup on est dans une sorte de vide de la pensée et justement on est dans une plénitude d'être en fait. Et c'est à partir de là où on peut, parce qu'on est, on peut devenir ce que l'on est, parce qu'on touche à ce vide entre les pensées qui ne nous lie plus ni au passé, ni au futur, mais juste au moment présent. Ce documentaire a été tourné il y a quelques mois de cela maintenant. Qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce que vous portez avec vous de ce souvenir de la traversée d'Israël ? Je porte la flamme de la découverte d'autant plus forte depuis que j'ai posé les pieds sur cette terre. C'est-à-dire que, bien sûr, auparavant, j'étais déjà lancée dans cette quête suite à la mort de mon père, ce qui fait que voilà, je me suis aventurée dans différentes régions du monde. Mais Israël, en fait, le plus beau message que cette terre m'a transmis, c'est un message d'unification. C'est que tout d'un coup, je me suis sentie réunifiée dans ma propre diversité, ma diversité culturelle, ma diversité religieuse, dans tout ce que j'avais pu apprendre au cours de mes voyages. Israël m'a vraiment unifiée et m'a redonné, c'est pour ça que je parle de cette flamme, m'a redonné de l'énergie à ce feu intérieur qui est de poursuivre cette quête. Parce que c'est pas une quête qui est, on peut en parler comme ça, mais la quête de soi, cette quête d'identité, mais cette quête spirituelle, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça demande de faire des choix, ça demande de faire des sacrifices, ça demande de renoncer à certaines choses pour toujours aller de l'avant, pour toujours pouvoir découvrir et s'ouvrir, se remettre en question. Et en fait, Israël a vraiment renforcé mon envie, mon désir d'approfondir cette quête et d'aller plus loin à la source de ce qui unit, en fait, de ce qui, moi, m'unit, mais de ce qui aussi permet d'unir le monde dans sa diversité. Vous avez voulu faire passer vos souvenirs à travers l'écrit. Vous avez écrit un livre qui vient raconter justement cette traversée d'Israël. Pourquoi est-ce que pour vous, c'était important de ne pas garder simplement des couleurs et des images, mais de transformer tout cela avec des mots et des phrases ? L'envie d'écrire, et notamment sur cette expérience, c'était tout simplement l'envie de transmettre et de laisser une trace. Parce que cette aventure en Israël, elle a été vraiment bouleversante pour moi, et c'est d'ailleurs pour ça que, alors bien sûr j'ai parcouru ce chevil, ça a duré 2 mois, mais je suis revenue 9 mois sur cette terre pour approfondir
mon ressenti pour me dire est-ce que finalement ce que la force de ce que j'ai ressenti, est-ce que c'est moi qui l'ai imaginé ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui me lie à cette terre. Donc j'ai voulu confirmer tout ça, donc je suis revenue 9 mois. Et c'est là où l'envie d'écrire a vraiment émergé. Je l'ai vraiment reçue comme une révélation. À un moment, j'étais dans les rues de Jérusalem, je me souviens exactement du moment, c'était le jour de Shavuot. Et donc, j'étais encore en train de poser des questions, d'envoyer ces questions à ce qui m'entourait. Quel est mon rôle? Et j'ai reçu cette mission d'écrire. J'ai vraiment pris comme une mission l'écriture de ce livre. Et donc, il y a bien sûr cette envie de transmettre. Et c'est la force de l'écriture aussi, c'est qu'à un moment, on va prendre du recul, on va prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on a vécu pour mieux comprendre ce qu'on a vécu et du coup, pour mieux le transmettre. Et ce que j'ai voulu transmettre, en fait, c'est qu'il ne faut pas craindre de se mettre en mouvement. Il ne faut pas craindre, il ne faut pas s'arrêter à des préjugés, à des choses qu'on nous dit. Il ne faut pas s'arrêter à des croyances. Mais il faut y aller, en fait. Il faut foncer, il faut oser. Il faut oser se mettre en mouvement vers soi, se mettre en mouvement vers l'autre. Parce que c'est à partir de là où on découvre que la richesse, elle n'est pas à l'extérieur de nous, mais elle est à l'intérieur de nous. Linda Bortoletto, merci beaucoup pour cette invitation au voyage. Merci pour ces belles couleurs. Merci pour ce documentaire exceptionnel. Je vous laisse sur quelques images supplémentaires de ce documentaire du Shvil HaZahav, Le chemin des anges en Israël, filmé par Steve Suissa et son équipe. With the resistance, like when the sun calls in the dawn, like when the night begins to fall.